Muito bom dia a todos os seguidores de Rádio TV Vantava. Em direto a partir do Palácio do Governo, com Sua Excelência, Ministra de Estado, Negócios Estrangeiros, Guiné-Bissau, Sibia, Ministro de Cooperação Internacional de Congo. Aqui,
Está na país, ministro de Cooperação Internacional de Promoção e Parcerias Público-Privado da República República do Congo, Denis Cristel Sassou Nguesso, que está na país. O convite da senhora ministra de Negócios Estrangeiros de Guiné-Bissau, Carla, aliás, Suzy Carla Barbosa. Já agora, vamos lá para o Salão de Francisco João Mendes, que é o Salão Nobre da Palácio do Governo. De Conselho de Ministros, Salão Nobre de Escuté, onde que é ato de assinatura do protocolo do quadro de cooperação acontecendo entre Guiné-Bissau com a República do Congo. Série de delegação de Guiné-Bissau, mais delegação de Congo. Ministro, só de 10 dias ontem, para chegar ao país. Uma visita de 3 dias, minha volta só amanhã. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Não vai muito bom dia a todos os seguidores da TV Moçana Barra, sem entrada, do Ministro de Negócios Estrangeiros e Ministro de Cooperação de Congo. Do Estado de Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, com o Sousa Carla Barroso, com o Ministro Congolês de Cooperação Internacional para a Promoção de Parcerias Público-Privado. O objetivo desta visita do Ministro Congolês e também assinar um acordo com a Guiné-Bissau a 17 acordos. Das comunidades. Vamos dar início à cerimónia, ou então ao encontro bilateral, entre a delegação da Guiné-Bissau e a delegação da República do Congo, que se encontra na Guiné-Bissau. A delegação guinesa é chefiada para o Ministério do Estado e a delegação congolesa é chefiada para o Ministro da Cooperação. Thank you.
bonjour à tout le monde. Excellence, monsieur l'inscrit Alsace Nguesso, ministre de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé de la République du Congo et sa délégation. Excellence, membre de votre gouvernement de la Guinée-Bissau, ministre distingué, mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que j'appuie votre excellence, monsieur le ministre, cher ami, à cette réunion de travail. Je voudrais donc vous exprimer mon sincère remerciement pour avoir accepté notre invitation à un moment très particulier pour la Guinée-Bissau et vous souhaiter, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, la bienvenue dans la patrie d'Amélie Cabral, dans l'espoir surtout de votre visite de 3 jours. Nous examinerons conjointement les aspects importants de notre coopération. Votre présence à Bissau témoigne de la solidarité sans fait du gouvernement et de la République du Congo avec les autorités et le peuple de la Guinée-Bissau. Votre Excellence, cher ami, il est donc dans notre intérêt sans mentir de plus en plus les relations d'amitié et de coopération existantes entre nos deux pays, grâce aux directives de plus haute instance de la République du Congo et de la République de la Guinée-Bissau, Son Excellence Monsieur Daniel Sassou Nguesso et Son Excellence Monsieur Oumarou Sissoko Embalo. Aujourd'hui, elle se dynamise et s'emphase encore plus pour la bénéfice mutuelle de nos pays et peuples respectifs. Cette visite, Votre Excellence, dans notre pays s'inscrit certainement dans cette perspective d'élever à des niveaux encore plus expressifs notre désir commun de redimensionner et de requalifier fortement le partenariat bilatéral entre la République du Congo et la République de la Guinée-Bissau. De la même manière, la conviction que nous nations se trouve est une étape particulièrement importante de la révolution historique dans laquelle les aspirations au développement, à la sécurité, à la paix occupent une place prépondérante et aussi coïncide avec le sentiment de solidarité continentale sous l'égide de l'Union africaine Agenda 2063. Les relations entre la Guinée-Bissau et le Congo se déroulent dans le respect d'un spirit de solidarité exemplaire et la cadre de coopération que nous allons signer aujourd'hui témoigne de la volonté sans équivoque de nos deux pays de continuer à construire un avenir de relations fondées sur des liens d'amitié, travail, fraternité et coopération multisectorielle avec l'un des secteurs économiques et sociaux les plus porteurs dans le cadre bilatéral. Il est très important pour nous que ces accords et d'autres pourront être signés ultérieurement puissent être effectivement mis en œuvre après son entrée en vigueur dans nos pays, incarnant la volonté politique dans nos pays, aussi la coopération de la République du Congo et la République de la Guinée-Bissau par la création d'une commission bilatérale mixte dont l'objet sera de suivre et évaluer conjointement la mise en œuvre des futurs instruments juridiques bilatéraux découlant de cet accord cadre de coopération que nous avons signé aujourd'hui. Dans cette perspective, le gouvernement de nos deux pays sauront adopter conjointement une stratégie concertée visant à promouvoir les investissements directs dans les économies de nos deux pays. Dans le cadre de la création de partenariats public-privé et d'une action prioritaire afin de créer des synergies et des activités économiques propices à l'emploi des jeunes et des femmes, dans le but d'améliorer considérablement les principaux indicateurs économiques et gérer aussi plus de revenus financiers pour nos deux pays. Pour cela, cette politique de coopération bilatérale de nos deux pays frères et amis sera menée d'une étroite collaboration entre les entités et entreprises du secteur privé congolais et guinéen en raison du caractère stratégique des objectifs communs de renforcement des liens qui existent entre nos deux peuples et États. À cet effet, les deux gouvernements faciliteront la création de mécanismes et initiatives qui facilitent la circulation effective des flux en vue d'investissements nécessaires à les relations économiques et commerciales bilatérales sur la base des préceptes de la zone libre-échange sur le continent africain et les immenses opportunités commerciales sous-jacentes dépendant de son évolution dans les années à venir. Pour conclure, je réitère mes sincères remerciements et mon nom personnel et au nom du gouvernement de la Guinée-Bissau à Son Excellence
Monsieur le ministre Denis Christel Sassou Nguesso et sa distinguée délégation qui l'accompagne pour cette visite opportune et fructueuse. Bienvenue à la Guinée-Bissau et merci beaucoup. E era o discurso do Ministro do Estado do Vosso Estrangeiro, da Guiné-Bissau, que Suzy Carla Barbosa, que agora, em vez de Ministro de Cooperação de Congo. Madame le Ministro d'État, Ministro das Affaires étrangères, de la Coopération Internationale et des Communautés de la République de Guiné-Bissau, Mesdames et Messieurs, en vos rangs grades, des qualités. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'emblée de vous remercier pour la qualité de l'accueil qui a été réservé à ma délégation ainsi qu'à ma modeste personne depuis notre arrivée ici en Guinée-Bissau. Cet accueil est un indicateur des liens d'amitié qui unissent nos deux peuples, à l'instar des rapports fraternels qui lient nos deux chefs d'État. Leurs Excellences, Messieurs Oumaro Sissoko Kambalo et Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre, dois-je le rappeler, s'effectue dans des conditions particulièrement difficiles, liées à la persistance de la pandémie à coronavirus qui rythme les interactions mondiales depuis maintenant près de 2 ans. La Guinée-Bissau et le Congo sont deux peuples frères. Et c'est à cet effet que les échos des combats menés par Amical Cabral pour la libération des peuples de Guinée-Bissau et du Cap-Vert sont parvenus jusqu'à Brazzaville et bien au-delà. Cette rencontre nous rappelle qu'avant, entre nos deux mains, nous avons le destin de notre continent et nous devons apprendre à compter d'abord sur nos propres forces. C'est pour cette raison que nous devons accorder une place de choix à la coopération Sud-Sud. La coopération internationale est avant tout la valorisation des liens d'amitié entre les peuples par une interconnexion des expertises, une mutualisation des expériences et une addition des savoir-faire dans l'intérêt de nos peuples respectifs. Un illustre fils d'Afrique, M. Kofi Annan, disait, et je le cite, « La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. » Fin de citation. Madame le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale et des communautés, Mesdames et Messieurs, l'accord cadre de coopération que nous nous apprêtons à signer aujourd'hui, ayant pour vocation de favoriser les accords sectoriels dans plus de 17 domaines, marque le début d'une ère nouvelle entre nos deux peuples, où chacun pourra partager son expérience à l'autre, dans tous les domaines pouvant contribuer au développement de nos deux pays. Nos deux pays regorgent d'énormes potentialités dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de la valorisation des énergies fossiles et dans bien d'autres domaines que nos experts seront amenés à exploiter dans l'intérêt de nos deux nations. Il nous appartiendra dès à présent d'assurer un suivi et une évaluation régulière afin de garantir l'efficience des accords sectoriels qui en découleront. L'Afrique que nous voulons est celle dont chaque fils et chaque fille y trouve son compte et son bonheur et ne se sente pas obligée de partir ailleurs et contribuer à l'Afrique. Qui prend dès aujourd'hui conscience du fait que nous serons plus de 2 milliards d'habitants en 2050 et des défis majeurs s'imposeront à nous, dont l'une de nos priorités sera de convertir cette croissance démographique en croissance économique inclusive. Nous ne construirons pas cette Afrique sans donner un sens profond au panafricanisme. Au-delà de notre rhétorique, de notre militantisme, je pense que le véritable panafricanisme
est celui qui s'exprime à travers la coopération Sud-Sud. Prenons-en conscience dès à présent. Nous avons longtemps bâti des stratégies de développement orientées vers d'autres continents en oubliant que l'Afrique avait suffisamment de ressources pour s'entraider efficacement. Construisons ensemble une Afrique forte. Donnons corps aux rêves des pères fondateurs de nos indépendances, dont certains ont sacrifié leur vie pour la dignité de l'Afrique. C'est donc à la lumière de cette vision de l'Afrique que nous voulons que la République de Guinée-Bissau et la République du Congo devraient raffermir leurs liens à travers cet accord cadre de coopération. Vive la coopération entre la République de Guinée-Bissau et la République du Congo. Je vous remercie de votre aimable attention. Avec ces programmes,
nous pensons que la prochaine année va continuer à augmenter de presque 3,5% de croissance du PIB. Et au niveau de la préparation du projet, on a identifié quelques mesures au niveau des impôts et au niveau des douanes. Une mesure très importante, c'est une mesure structurelle, c'est une réforme très importante, c'est de faire l'immigration de Sidonia plus 12 pour Sidonia or. Il faut dire que dans ce moment, seulement Guinée-Bissau, au niveau de notre zone, du Moa, qui n'a pas cet instrument, le Sidonia or. C'est pour cela que nous sommes en train d'insister de nouveau pour avoir le soutien du Congo. Comme j'ai dit, après la visite du vice-président de Oman, il a envoyé une délégation qui était ici pour faire tous les assessments. Et dans ce moment, nous attendons aussi d'avoir quelques appuis de la part du Congo. Il faut dire aussi quand notre président était dans une visite officielle au Congo, il était accompagné avec notre ministre qui a renouvelé ses demandes et nous attendons d'avoir au niveau de cette année si on peut avoir cet appui. Parce que c'est très important dans le contexte de l'immatérialisation de tous les instruments au niveau des douanes pour pouvoir augmenter notre recette fiscale. Et je ne sais pas, avec la ministre, il faut laisser le directeur des douanes qui est ici, lui donner plus de détails. Et avec votre permission, il pourrait avoir la parole. Merci. Avec la permission. Merci beaucoup, ministre d'État, des Affaires étrangères, la population et des communautés, la commission du ministre, la population du Congo, avec la permission aussi du secrétaire d'État. Je suis très satisfait avec le discours que j'ai entendu, monsieur le ministre. Effectivement, nous a parlé de la coopération structurelle. C'est dans ce domaine-là qu'on a reçu, effectivement, Dr. Guénolène Bongo Koumou, ici, après son élection, pour la vice-présidence de l'OMA, de la zone Afrique de l'Ouest. Donc, c'est la première visite de Dr. Guénolène, après son élection, c'était la première visite ici à l'Ouest. Pour nous, ça a été un grand honneur parce que, comme vous l'avez dit, la situation sanitaire était encore plus difficile que maintenant. On était au début du coronavirus, on ne savait même pas ce que ça a été. Mais malgré cela, il s'est déplacé en Guinée-Bissau et vraiment, on a apprécié cela. Donc, comme l'a dit monsieur le secrétaire d'État, après qu'il est venu, il nous a soutenus. Il nous a permis que nous avons envoyé 10 de nos agents pour la formation au Burkina. Tout ça, ça a été payé só para falar sobre um quadro de cooperação entre Guiné-Bissau e Congo e sendo discutido em 17 pontos que ainda tem assinatura de acordo. Já agora não tem ponto vírgula nesse trabalho, porque se justifica não volta, se Deus quiser, vou acompanhar. Eu fico na sintonia rádio e te levantar.